Hey, salut tout le monde, c'est Deslor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 et on va faire l'étape du chien en une seule phase, donc avec des sports en x72. Alors moi, pour faire la phase, ce que j'ai utilisé en arme puissante, j'ai utilisé l'impitoyable, qui est une arme vraiment, vraiment surpuissante. Donc Zur la vendait la semaine dernière, le week-end dernier, et elle fait énormément de dégâts contre les cibles qui ne bougent pas et que vous n'arrivez pas à tuer en un coup. En fait, à chaque fois que vous allez tirer dedans, enfin sur la cible, si vous ne la tuez pas, et ben en fait le temps de rechargement est réduit. Du coup, ça va aller de plus en plus vite et ça fait extrêmement mal. Donc moi j'ai utilisé ça avec un arcaniste en abyssal et ça fait très 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 mal. Le chien est tombé en 3-4 secondes, voilà, en pas longtemps. Et après bah, j'ai aidé à faire les chiens de mes potes pour aller plus vite. Et voilà, en plus à la fin, en stuff que j'ai eu du raid, enfin en équipement, j'ai eu le lance-roquette du raid qui est le péché du passé et je pense qu'il va faire très très mal. Donc voilà, pour les armes et tout ça, j'ai prévu de faire des vidéos pour vous expliquer chaque arme, ce qu'elle fait, avec des petits tests, les armures aussi. Pour les armes et les armures, voilà, je vais faire des petits tests, je vous montrerai ça en vidéo quand j'aurai le temps. Donc pour le moment, il y a pas mal de choses à dire, du coup j'ai pas forcément le temps de faire ces vidéos, mais voilà. Bon bah allez, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour me suivre sur Destiny 2. Allez, sur ce, moi je retourne jouer et je vous dis, bon jeu gardien.